les yeux et respire profondément, tu peux le faire. C'est facile de conduire. C'est facile de conduire. C'est moi qui ai besoin d'aide, là. Tu m'as dit que tu avais lu les livres des bébés. J'ai lu les livres, mais rien n'explique comment gérer le stress d'un vilain petit canard. Pas les livres pour les bébés. Les livres sur les bébés. Arrête de me disputer. Là, tout ce que tu dois faire, c'est ne pas accoucher. Tu fais ça tous les jours. Je demande juste un peu de compassion. Tiens, la voilà ta compassion. Voilà, c'est mieux. Installe-toi confortablement. En tout cas, moi j'ai trop hâte de voir notre petite sœur. Oui, moi aussi. Ce sera carrément mieux pour jouer aux chevaliers et aux princesses. Et avec une petite sœur, on sera plus à l'écoute. Exactement. Et avec une petite sœur, on sera plus à l'écoute. Et en plus, on aura la classe quand on la protégera des brutes à l'école. Espèce de sale... Peut-être pas, en fait. Mais au moins, elle nous présentera ses copines quand on sera en âge de se marier. Non, je sais pas, là. Elles seront beaucoup plus petites que nous. Mais si on s'occupe bien d'elles, elles feront pareil quand on sera vieux. Ah ouais. En tout cas, moi, j'en peux plus d'attendre. Je veux la voir. Elle arrive. Enfin, je peux attendre un peu. Tiens bon, chérie, on y est presque. Je me garer, c'est bon. Pas le temps. D'accord, je passe par le drive, alors. Il n'y a pas de drive à l'hôpital. Poussé. Félicitations. Maintenant, si. Les garçons, dites bonjour à votre petite sœur. Anaïs. Oh, regarde-la. On dirait tellement un bonbon que ça me donne des caries. Désolé, mec, mais je crois que t'as eu un petit accident. C'est mon cœur qui a fondu. Pousse en l'air si tu as aimé. Découvre d'autres vidéos extra et abonne-toi en cliquant ici.